Communément appelé crise cardiaque, l'infarctus du myocarde est déclenché par l'obstruction de l'artère coronaire qui entraîne la destruction partielle du muscle cardiaque. Signes et symptômes. Douleur à la poitrine, pouvant s'accompagner de sensations, de serrements, de malaise. Douleur qui irradie, pouvant s'étendre, à partir de la poitrine. Essoufflement, point pâleur, sueur et faiblesse générale, point nausée, vomissement et parfois indigestion, point peur et anxiété. Découvrez les 5 aliments qui provoquent les crises cardiaques. 1. Alcool. Une consommation excessive d'alcool peut augmenter la pression artérielle en plus de contribuer au développement des maladies cardiovasculaires. Certaines études ont démontré que les personnes qui consomment de l'alcool avec modération présentent des risques légèrement moins élevés de maladies du cœur et d'AVC. 2. Le beurre. Bien que certaines études tendent à ne montrer aucun lien entre le beurre et les maladies cardiovasculaires, il faut malgré tout en limiter la consommation. Manger trop de beurre favorise le cholestérol qui peut se déposer sur les artères et les bouchées. Alors, on dit oui au beurre sur ses tartines mais à petite dose. 3. La viande rouge. Manger de la viande rouge incite l'intestin à produire des composés qui augmentent le taux de cholestérol dans le sang, ce qui est particulièrement mauvais pour les artères. Alors, limitez au maximum de craquer régulièrement pour une bonne pièce de viande rouge. 4. Les sodas. À cause de leur taux d'insuline élevé, les sodas sont à éviter. Ils augmentent les risques d'obésité et les maladies cardiovasculaires comme l'athérosclérose, une maladie des artères. 5. Le sel. On a parfois tendance à saler nos plats plus qu'il ne le faudrait. Le sel, consommé en excès, est responsable d'hypertension artérielle, pouvant avoir des répercussions sur la santé cardiovasculaire. Attention au sel caché dans les produits préparés, plats surgelés, conserves, soupes, charcuteries. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si c'est intéressant, veuillez aimer et partager. Si vous avez des commentaires, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer nos notifications.